Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2 dans la prestigieuse salle Berlioz du Quorum de Montpellier pour cette grande soirée prodige. Ce soir, vous allez découvrir de tout jeunes artistes du classique. Ils ont entre 7 ans et 16 ans. Ils sont chanteurs, instrumentistes, danseurs. Ils vont vous émouvoir, vous impressionner, vous divertir. Chacun d'entre eux va donner le meilleur pour tenter de remporter ce grand concours et être désigné à la fin de la soirée prodige de l'année. Ils sont 13 à concourir ce soir, 13 enfants à avoir été sélectionnés parmi 400 candidats, 13 petites merveilles. Je vous demande de les applaudir. Bonsoir les enfants. Qui dit concours dit forcément jury, et ce soir notre jury aura la lourde tâche de désigner le prodige de l'année. Nos jurés sont eux-mêmes 3 prodiges confirmés et renommés. Et je vais commencer par vous, délicieuse créature. Vous êtes l'une de nos plus grandes divas. Vous avez enchanté les salles les plus prestigieuses du monde entier. Juste un exemple, on vous a applaudi au Covent Garden, souvent. On vous a entendu à la Fenice de Venise, à New York, à Tokyo, à Paris, entre autres. Mais ce soir, vous êtes avec nous, ici, au Quorum de Montpellier, la soprano Elisabeth Vidal. Vous, monsieur, vous êtes un immense danseur étoile et j'ai eu la chance de vous voir à l'Opéra de Paris. Vous avez une carrière nationale et internationale et encore aujourd'hui absolument remarquable. Vous êtes un virtuose, vous êtes insoumis et j'adore ça, vous êtes unique. Vous êtes monsieur Patrick Dupont. The last but not the least, vous, monsieur, vous êtes un violoncelliste français à la renommée internationale. Vous avez une discographie admirable pour votre jeune âge. On ne compte plus le nombre de femmes et de spectatrices envoûtées par votre archet et votre ample chevelure noire. Vous êtes l'Antonio Banderas du violoncelle. Yeah. Vous êtes monsieur Gauthier Capuçon. Nos 13 prodiges ont la chance d'être accompagnés ce soir par l'Orchestre et Opéra National de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Et je dois vous avouer, vous me connaissez, que je ne suis pas mécontente que ce bel orchestre de Montpellier soit dirigé par une main de femme. Et quelle femme ! La chef d'orchestre, Ariane Matiak. À tout moment, vous pouvez chez vous prendre le contrôle de notre caméra 360 eMotion pour vivre notre soirée prodige. C'est une caméra qui filme en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est vous qui décidez et ça se passe sur le site de France 2. L'adresse s'affiche en ce moment. Allez, je vous sens tous très impatients et je le suis aussi. Nous avons le public, nous avons le jury, nous avons l'orchestre, nous avons nos 13 artistes en coulisses. Je déclare donc ouvert le premier grand concours des prodiges du classique. La compétition prodige s'ouvre avec la première des 3 catégories, la catégorie chant. Les 4 concurrents chanteurs sont Jules, 13 ans, Aviva, 16 ans, Eric, 8 ans, Mareva, 13 ans. La jurée spécialiste de la catégorie chant est Elisabeth Vidal. Célèbre soprano à la carrière internationale, elle se produit sur les scènes des plus grands opéras. Diva atypique, enseignante à l'école du Bolshoï, Elisabeth Vidal a su démocratiser le chant lyrique. J'ai été une chanteuse très précoce et je sais ce que représente le stress d'avoir du talent
mais pas encore de l'avoir révélé, pas encore de l'avoir mis en forme. Et combien on a besoin d'être encouragé, d'être guidé. Ça va être une succession de moments qui vont devenir historiques pour ces jeunes. Ils s'en souviendront toujours et ce sera une base pour toute leur existence. Le premier prodige a tenté de gagner sa place en finale et être désigné prodige de l'année par les trois membres du jury à la fin de l'émission est Jules. Je m'appelle Jules, j'ai 13 ans, je suis en troisième maîtrise à Reims et j'habite un petit village qui s'appelle Prunet. Ma passion, c'est le chant. J'en fais depuis que je suis en CM1. En dehors du chant et de ma semaine de travail, je fais du foot en club depuis que je suis tout petit. Ça me permet de me défouler puis de me décontracter. J'écoute surtout du classique, même si j'aime bien les Daft Punk et Queen. J'aime énormément Queen. Et les musiques qu'ils font, elles sont entraînantes, elles sont pile comme il faut. En fin d'année de 5e, j'ai travaillé l'Ave Maria de Caccini pour le concert de fin d'année. Et à la fin du chant, je me suis rendu compte que dans l'assemblée, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, il y en avait qui étaient debout. Et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qu'on peut faire avec le chant, c'est fou. J'ai déjà eu envie pendant un concert de pleurer pendant mon chant. Je suis pas un prodige. J'ai juste un gars qui a bossé. Je vais interpréter l'Ave Maria dit de Caccini. C'est vraiment un chant particulier. Il a quelque chose, il paraît simple, mais il est d'une difficulté parce qu'il demande des poumons d'adulte quasiment, donc il faut vraiment bien gérer son air, son souffle. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup travaillé. Je pense que je suis prêt pour prodige. C'est magnifique.
Oh, j'adore. Ça va? Oh mon Dieu. C'est impressionnant. Dis donc, c'était tellement merveilleux. Je veux être sûre, c'est bien toi qui as chanté? Tu n'avais pas de playback? Non, pas en chant. C'est la première fois que tu chantes avec un orchestre? Tout seul, oui, c'est la première fois. Non, on va demander au jury ce qu'il pense de ta prestation. Comme c'est votre catégorie, Elisabeth Vidal, je vais vous demander, alors? Eh bien, vous voyez sur mon coin d'œil l'émotion. Un petit garçon du haut de ses 13 ans, qui vient d'interpréter ce chef-d'œuvre absolu de Caccini, en maîtrisant son souffle avec la pureté, du haut en bas, l'homogénéité de la voix, et surtout une force artistique qui lui a permis de vaincre sa propre émotion. Et moi, c'est cette force-là qui m'a arraché une larme. Jules, bravo. Merci beaucoup. Je vous sens très ému, Patrick Dupont. Je pense que je vais beaucoup pleurer ce soir. Oui, c'est ça le problème, je crois qu'on va beaucoup pleurer ce soir. Jules, tu sais, j'aimerais te poser une question, Jules. Pourquoi tu chantes? Parce que j'adore ça, que c'est une vraie passion et que j'aimerais montrer à tout le monde que le chant, ça peut tout faire, guérir, rendre triste. Et franchement, j'ai envie de montrer que tout le monde peut être heureux grâce au chant. Et en plus, j'ai envie de transmettre ma passion du chant, vraiment. Une petite chose, Jules. Il paraît, on m'a dit, on m'a soufflé, que tu aimerais être pilote d'avion, donc tu aimerais voler, c'est ça? Après être chanteur, oui, c'est le second métier que j'aimerais beaucoup faire. Dis-nous un peu, as-tu la sensation, quand tu chantes, que tu voles, ou que tu fais voler les gens? Un peu. J'ai l'impression d'être sur mon nuage. Bravo, génial. C'est ce que je voulais entendre. Merci, Jules. Bravo. Gauthier Capuçon, alors vous avez travaillé avec beaucoup de chanteurs, de musiciens, alors que pensez-vous de notre Jules ce soir? Ce qui est extrêmement touchant chez toi, c'est bien sûr cette pureté de ta voix. C'est quelque chose qui transperce, qui nous fait voler. Et cette passion que tu nous donnes, tu le fais d'un tel naturel finalement que c'est ça qui nous touche au plus profond. Bravo à toi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous trois, le jury. Alors, toujours dans la catégorie chant, changement total de registre. Après la douceur de l'Ave Maria de Caccini chantée par Jules, nous allons écouter un célèbre air d'opéra français que tout le monde a fredonné au moins un jour dans sa vie. Ça fait quelque chose comme... Enfin, vous savez. Et c'est une toute jeune fille de 16 ans qui s'y attaque ce soir. Je vous laisse la découvrir. Capitaine Jules et son équipage. Je m'appelle Aviva, j'ai 16 ans, j'habite en Bretagne et je suis en première S. Mes deux parents écoutaient souvent de l'opéra et chantaient aussi dans un chœur. On entendait souvent de la musique classique à la maison. D'ailleurs, il paraît que quand j'étais petite, je chantais Carmen. Il y a une anecdote assez drôle de ma grand-mère qui, la première fois qu'elle m'a vue à la maternité, j'étais en train de crier fortement, demandant à manger certainement, et elle a dit « Mais tu peux te taire, Caruso !» J'aime bien le fait de pouvoir changer totalement de personnage entre ma vie de lycéenne, où je suis en jean basket toute la journée, et la vie d'opéra, où on met des grandes robes, des costumes de scène, et c'est intéressant parce qu'on change totalement de peau et on se met en harmonie avec le personnage. Je suis une adolescente tout à fait normale, donc je n'écoute pas seulement de l'opéra. J'écoute aussi des choses plus modernes, on va dire. Donc, par exemple, hier, j'avais dans la tête « One day or another, I gonna get you, get you, get you ». Et j'ai continué à chanter ça toute la journée, donc c'est pas que j'ai toujours que de l'opéra dans la tête. On m'a dit que c'était rare pour mon âge d'avoir un tempérament cynique et aussi une voix comme ça. C'est pas une chose qui vient comme ça en claquant des doigts, faut travailler. L'amour est un oiseau rebelle.
je vais interpréter La Banera de Bizet, de Carmen donc, qui est un morceau qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est un personnage fort, une femme qui est libre de penser et qui l'affirme. Une personne un peu comme moi parfois, parce que je suis entre guillemets un peu charogne, et donc j'aime bien interpréter ce personnage. Magnifique. J'adore notre Carmen habillée tout de blanc, virginale encore. Alors, 16 ans, seulement 16 ans. Et pourquoi as-tu choisi ce rôle qui est quand même un rôle de femme presque vénéneuse ? J'ai commencé à le chanter quand j'avais 3 ans, dans la cuisine. Vraiment, c'est un truc que j'ai toujours écouté. Donc. On va demander tout de suite au jury ce qu'il en pense, toujours sur votre territoire, chère Elisabeth Vidal. Eh bien, je suis absolument épatée de la sélection, parce qu'en plus, là, il s'agit d'une voix de mezzo-soprano. Donc, à 16 ans, quelqu'un qui, déjà, dans le registre un petit peu plus haut, sait ce qu'on dit, nous, en jargon, tourner sa voix, parce que c'est ça. En haut, elle réussit déjà à avoir une pleine richesse, une pleine couleur, parce qu'elle a le sens du son. Et ça, c'est une chose qu'elle ne perdra pas. C'est pourquoi elle a forcément de l'avenir. Aviva, bravo. Merci beaucoup. Gauthier, est-ce que cette Carmen vous a charmé ? Moi, je trouve qu'elle a un jeu scénique déjà assez impressionnant pour son âge. Elle a une présence, on le sent dans ses mouvements. Elle incarne déjà vraiment le personnage. Et puis, tu as parlé du timbre de sa voix. Et je suis absolument d'accord. Moi, ce qui m'a surtout touché, c'est ces timbres de mezzo, ces timbres un peu plus graves, cette chaleur qui, moi, me touche en tant que violoncelliste, parce que le violoncelle, bien évidemment, sont des sons un peu plus graves. Mais c'est une voix qui... Il y a quelque chose de très sensuel dans ta voix. Absolument. Bravo. Merci. Patrick ? Eh bien, moi, Aviva, tout d'abord, bravo. Bravo, parce que c'est un rôle. C'est un rôle chanté par les plus grandes, tu le sais bien. Peut-être je me trompe, mais dis-moi, il me semble qu'au fur et à mesure que tu chantais, que tu te mettais dans ton personnage, ta voix et même ton souffle se posaient, se calaient, et tu étais de plus en plus à l'aise. Est-ce que j'ai tort ? Pas du tout. Ah, génial. Ce qui veut dire que tu es une interprète.
tu es une interprète et par conséquent, je pense qu'un metteur en scène n'aura aucun mal pour toi. Un chorégraphe n'aura aucun mal à te mettre en scène parce que tu possèdes ça. Tu as besoin de jouer, d'être un personnage, je pense, pour pouvoir sortir le meilleur de toi-même. Ai-je tort ? Oui, c'est vrai. Ben, c'est trop bien. C'est un très, très bon début, Aviva. Quel beau compliment pour toi, Aviva. Et en plus, elle a chanté pieds nus. Oui, bien quel sûr. Plaisir de chanter pieds nus, n'est-ce pas ? De danser pieds nus, Patrick. Oui, oui. C'est une sensation, c'est un ancrage dans la terre. Terre de Montpellier. Dans ce quorum qui est un des plus beaux théâtres de France, d'ailleurs. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Nous allons maintenant accueillir le Benjamin de la catégorie chant. Il s'appelle Eric. Et ça m'étonnerait qu'il vous laisse indifférent. Je vous laisse regarder. Carmen, on y va ? Je m'appelle Eric, j'ai 8 ans, je suis en CM2 et j'habite à Bordeaux. On m'appelle le rossignol parce que j'ai des suraigus et les gens ils sont heureux quand je chante. Un rossignol ça fait cuit dans les aigus. Je chante tout le temps, quand je vais à l'école en vélo, quand je m'ennuie, quand je suis triste, tout le temps. Chanter, ça me fait du bonheur. La meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, ben, c'est Prodige. Parce que c'est une émission, c'est pas à tout le monde que ça arrive. Quand j'aurai fait Prodige, je pourrai voyager, faire d'autres émissions, chanter partout. J'aimerais bien gagner, mais le plus important pour moi, c'est de m'amuser. Je vais chanter la Traviata. Quand je suis sur scène, je bouge les bras. Moi, je suis jamais stressée, j'adore quand je suis avec un orchestre, devant des gens, des personnes. J'ai pressé, j'ai vite envie d'y aller. Avec moi, Eric. Oh mon Dieu! Oh, j'adore!
J'adore Ariane Matiak a retenu la papatte veloutée du tigre qu'est cet orchestre. C'est la première fois que j'entends l'orchestre se retenir de jouer et de respirer. Merci Ariane Matiak pour notre petit Eric. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens du plaisir. Elisabeth Vidal, est-ce que vous avez aussi beaucoup aimé? C'est un instant partagé avec tout le monde. Cette voix est telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous, on en ressent de l'émotion, et lui énormément. Et c'est ça qui compte. Tu sais que ta voix va se transformer. Eh bien, toi, par ta force artistique, tu vas savoir comment la transformer ou comment transformer cette force en autre chose et le donner au public. Parce que ça, tu sais le faire. Alors, Patrick Dupont? Eh bien, dis-moi, Eric, comment tu as appris cet air? Ben, le texte, je l'ai appris avec mon papa. Très bien. Et les notes, pour les reproduire, tu as fait comment? J'écoute les chanteurs. Et les mains qui font comme ça? Les mains qui font comme ça. Comment tu fais quand tu fais ça? Qui t'a montré ça? Les mains, ça arrive tout seul. Voilà. Très bien. Eric, même quand tu parles, moi je le sais parce que j'ai lu des tas de choses sur toi, même quand tu parles, tu chantes, c'est vrai? Je chante toujours depuis que j'ai 3 ans, quand je vais à l'école, quand je m'ennuie. On t'appelle comment? On m'appelle Eric le Rossignol. Wow, et qu'est-ce que tu chantes quand tu t'ennuies? Ben, les chansons que j'ai apprises. Bon, vas-y, tiens, c'est à toi. Cuando se cansa, se parre y canta, hasta parece que va llorando, luego se alvega, se va contando, solo Dios sabe que va llorando. Estoy llorando porque Dios sabe, está mirando que ando sangrando el mundo. Merci. Oh là là. Un vrai ténor, hein? Il lâche pas, il lâche rien. Gauthier, s'il vous plaît, Gauthier, moi, éclairez-nous. Ce qui me fascine, mis à part ses talents qui sont évidemment naturels, c'est son talent de comédien. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est alors vraiment. Quand il chante, il nous regardait, on voyait ses yeux pétillants. Il y a son côté espiègle et coquin qui ressort. Et moi, je trouve que t'es un comédien génial, outre le fait, bien sûr, d'avoir ce talent pour la voix. Tu es fait pour toucher les autres. Ça, c'est clair pour nous tous. Eh ben, merci. En tout cas, il est fait pour la scène. Il est fait pour la scène. Il veut vous répondre. Ah ouais. Vous voulez que je chante encore? Non. Je vais l'emmener en voyage, en fait. Ah bon, et oui, les soirs de concert où je suis un petit peu fatigué, oui, je vais t'envoyer sur scène, tu vas pouvoir faire le show pendant 2 heures. Alors, Elisabeth, j'aimerais vous parler de ce magnifique album que vous avez sorti il y a déjà quelques mois. Alors, elle s'appelle comment, votre personnage, dans votre Alors, album? Elle s'appelle La Cantadora. C'est en référence à une chanteuse autrefois en Espagne qui pouvait chanter des heures durant par générosité. Et, voilà. Et donc, je me suis dit que moi, j'allais dépasser mon état de chanteuse classique, le faire exploser pour faire comme elle, aller au-delà de mes ressources habituelles. Bon, on va dire et ça s'appelle l'opéra impossible. C'est ça. Eric, la chanteuse que nous accueillons maintenant à 13 ans, elle a bien failli ne jamais arriver jusqu'à nous parce que son truc à elle, Elisabeth, c'était donc le hip-hop. La transition vers le lyrique s'est très très bien passée. Nous l'accueillons, nous la regardons. Je m'appelle Mareva, j'ai 13 ans, je suis en 4e et j'habite à Espalion. C'est par hasard que je suis arrivée au chant lyrique. Moi, je voulais faire de la variété, les chansons modernes, quoi. Je chante du Beyoncé, Maria Carey, voilà, les chanteuses de maintenant. Listen, ooh, it is song for him. Ce qui me plaît dans le chant lyrique, c'est la puissance de la voix. L'émotion qu'on donne, parce que c'est vraiment extraordinaire quand on chante bien le lyrique. Je pense plus à rien et juste à donner du plaisir et à me faire plaisir. Oh.
Ma plus grande fan, c'est ma mamie, ça c'est sûr. Elle est toujours là pour moi. Voilà, ben, elle me soutient tout le temps. Je vais interpréter Casta Diva de Maria Callas. Dans cette chanson, presque tout est difficile parce qu'il faut monter, redescendre, c'est vraiment dur. Mais bon, avec de l'entraînement, c'est devenu plus facile. J'ai mon petit rituel, mais en fait, je prends ce bracelet et je le serre fort et je pense à rien. Je le touche juste. Il me tarde de monter sur scène, vraiment. Maréva, elle a 13 ans. Je te sens vraiment, hein. Moi aussi je les suis, je te sens très très émue, Maréva. Oui. Je t'ai trouvée vraiment très juste, très digne, très, déjà une prêtresse, la Casta Diva. Notre autre diva, Elisabeth Vidal, qu'en pensez-vous? Maréva, tu as été très courageuse dans la maîtrise de ton trac qui était très grand et je le ressentais moi-même. Un petit truc, quand on a le trac, il faut moins penser à prendre l'air pour chanter que à souffler pour te permettre ensuite de prendre l'air plus profondément. Parce que quand on a le trac, l'air monte. Bon, on arrive à être presque étouffé soi-même à cause du stress, tu vois. Donc si tu penses à respirer plus bas, mais tout ça, ça va venir avec le temps, parce que c'est indéniable que tu as un talent et que tu viennes du hip-hop. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'au lieu de Casta Diva, tu aurais dit Casse-toi Diva. Et non, tu nous as J'adore. Fait un Casta Diva. Ah, Casse-toi Diva. Ouais, Vidal est dans la place. Casse-toi Diva. Patrick. Écoute, Maréva, il y a quelque chose en toi qui me touche énormément. C'est un amour de ce que tu fais. Ça se voit, ça se sent. Il y a comme du miel dans ta voix. Il y a du soleil. Il y a de la couleur qui est assumée, qui est belle. Il y a une belle couleur. Et je pense que tu es sur la bonne route, vraiment. Tu me touches énormément. Merci. Merci beaucoup.
Gauthier. Moi, je sens que tu as une très belle voix, mais qu'on sent qu'elle a, elle va s'ouvrir. Elle a besoin de s'ouvrir. Alors, j'ai l'impression que voilà, oui. il faut que tu trouves quelqu'un qui t'aide justement à. Elle a 3 ans de chant et elle a 13 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est magique. Voilà, c'est magique. Nous venons de clore la catégorie chant de notre concours. Cher jury, il va falloir désigner parmi ces 4 chanteurs celui qui mérite d'avoir sa place en finale et qui peut encore espérer être sacré prodige de l'année. Pour vous aider, nous allons tout d'abord nous rafraîchir les oreilles. Petit retour sur les 4 prestations catégorie chant. Et soyez bien attentifs chez vous, car après ces images, vous pourrez jouer avec nous pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros mise en jeu ce soir. Regardez. C'est maintenant à vous de jouer pour tenter de remporter les 10 000 euros mis en jeu ce soir. Pour faire partie du tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Quelle œuvre de Verdi Éric a-t-il interprété ? 1. La Traviata. 2. Nabucco. Envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 7-21-21 ou appelez le 36-32. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Le gagnant des 10 000 euros sera tiré au sort en fin d'émission. Parmi toutes les bonnes réponses, bonne chance à tous. Voici donc tous nos petits candidats. Mareva, Éric, Aviva, Jules. Le jury a fait son choix et je vais maintenant poser la question à Elisabeth Vidal, la spécialiste de la catégorie chant. Laquelle de ces petites merveilles va nous suivre en finale pour tenter de décrocher le titre de prodige de l'année ? Eh bien, pour nous, c'était vraiment un choix difficile. D'ailleurs, je suis sûre que si vous étiez à notre place, ça aurait été pareil pour vous. Mais on a privilégié l'émotion. Il y a 4 voix, toutes promises à un avenir, mais celle qui nous a tous émus, c'est Jules. Bravo. Alors, Jules, qu'est-ce que tu ressens ? Je sais pas. Franchement, merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Merci, merci, merci. Vraiment. Bravo. Et surtout, voilà, j'aimerais quand même remercier et féliciter Aviva, Éric et Mareva, parce que franchement, ils sont super, on est super amis.
Un vrai professionnel. Un vrai professionnel, absolument, qui pense aux autres. Et franchement, voilà, je voulais leur dire bravo, 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 parce que vous êtes super géniaux et tout. Et je pense que si je vais aussi bien me souvenir de super moments, c'est grâce à vous. Alors vraiment, merci beaucoup. Alors, nous retrouverons Jules plus tard pour savoir s'il sera le prodige de l'année. Quant à vous trois, le chemin ne fait que commencer. On dit souvent le mot de Cambronne à l'opéra ou dans les concerts, mais moi, j'ai envie de vous dire ce que l'on dit vraiment. Toi, toi, toi. Mérité. Nous allons maintenant enchaîner avec la catégorie instruments. Ils sont 5 virtuoses, ils ont entre 7 ans et 16 ans. Il y aura du piano, il y aura du violon et même votre joujou préféré, Gauthier Capuçon, le violoncelle. Prodige, catégorie instruments, ça démarre maintenant. La compétition continue avec la catégorie instruments. Les 5 concurrents instrumentistes sont Miyu, 7 ans, Ilan, 13 ans, Camille, 15 ans, Mathilde, 15 ans, Léo, 15 ans. Le jury spécialiste de la catégorie instruments est Gauthier Capuçon. Violoncelliste surdoué, reconnu par ses pairs, il se produit dans le monde entier sous la direction des plus grands chefs d'orchestre. Cette manière d'aborder la musique classique par les jeunes talents et par les jeunes prodiges, je trouve ça extraordinaire, je trouve que c'est un vrai encouragement. J'attends qu'ils nous fassent vibrer, qu'ils nous transportent avec leur énergie dans leur art, avec leur talent, et puis qu'ils nous emmènent vraiment au plus loin possible. Le premier prodige à concourir dans la catégorie instrument est Miyu. Je m'appelle Miyu, j'ai 7 ans et demi, je suis en CE2, j'habite à la ville Paris. Quand je serai grand, je veux être violoniste. Et aussi, je veux faire un restaurant parce que j'aime bien cuisiner. Quand je joue du violon, ça me fait plaisir. Et j'aime bien écouter le son et j'aime bien travailler. Je suis contente et un peu peur parce que la scène est grande. Ce qui me plaît, c'est de jouer en orchestre et puis ça me fait plaisir de passer à la télé. Je vais jouer la tajou. Le morceau, il me plaît. J'ai un petit peu peur de me tromper. J'ai quand même un peu beaucoup répété et je suis prête.
Magnifique, Miu. C'était magnifique. Est-ce que tu es contente de ce que tu as fait? Oui. Comment est-ce que tu trouves les violonistes de l'orchestre? Est-ce qu'ils sont bons? Oui. C'était magnifique. Moi, j'étais très émue par cette Albinoni, bien évidemment, mais... Et si on demandait à notre jury? Alors, cette fois-ci, nous sommes dans votre catégorie, Gauthier Capuçon. Alors, moi, je te dis un immense bravo. Je trouve ça très impressionnant à ton âge. Tu as 7 ans quand même. 7 ans. C'est impressionnant. On sent qu'elle est née avec ça. Moi, je voudrais juste simplement dire une chose, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme de travail que ça représente. Mais vous allez nous le dire. Tous ces jeunes qu'on a vus, que ce soit les chanteurs, les danseurs qu'on va voir après, on ne voit pas toujours le travail qui est derrière tout ça. L'investissement, mais depuis très jeune, depuis la preuve en est. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Et tu vois que tu es tellement belle quand tu souris. Tu es magnifique. Voilà, exactement. Et c'est peut-être ça qui m'a manqué tout à l'heure. C'est qu'il y a une telle perfection dans ce que tu fais à ton âge. C'est presque trop. Tu vois ce que je veux dire? J'en oublie presque la petite fille, si tu veux. Et il ne faut pas oublier qu'avec tout ce travail, on a une chance inouïe de faire ça, d'avoir un instrument pour s'exprimer. C'est un don, vraiment. Mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi des enfants normaux. Et il faut aussi, voilà, il faut jouir de la vie et il faut s'amuser. Merci, Gauthier. Elisabeth Vidal. Moi, je voudrais savoir ce que Miu aime. Qu'est-ce que tu aimes manger, par exemple? Ah, moi, des bonbons. Je crois savoir que Miu aime faire la cuisine. Je sais que tu aimes faire les salades et les saucisses. Oui. Eh bien, tu vois, il y a une chose importante. Quand tu fais de la musique, il faut que tu sois aussi contente, que tu aies autant de plaisir que quand tu fais la cuisine. Alors, que pensez-vous de cette grande musicienne de 7 ans, Patrick? Miu, est-ce que tu aimes les notes longues ou les petits pizzicati? Les pizzicati. Ah, elle préfère les pizzicati. Ah, bravo, bravo, c'est cette fille. Elisabeth, vous nous faites un pizzicati? Alors, on vient de nous signaler que l'ingénieur son est mort. Moi, j'arrive pas à en faire des aussi forts des pizzicati. Hein. Notre prochain prodige a 13 ans, mais il est tout comme Miu, très précoce. Dès ses 3 ans, il a su qu'il jouerait du piano. Depuis, il a beaucoup, beaucoup travaillé. Sa détermination et son perfectionnisme sont très impressionnants. On le découvre tout de suite. Je m'appelle Ilan, j'ai 13 ans. Je suis en première et j'habite à Lyon. Je suis un ado comme les autres parce que je fais beaucoup de piano, mais ça change rien à ça. Je trouve le temps de sortir avec des copains, je vais au ciné. J'ai un ami qui fait une web série, j'écris une partie de la musique. Je suis né dans une famille de musiciens, donc j'ai toujours baigné là-dedans et je voulais faire du piano parce que c'est un des seuls instruments où on peut imiter l'orchestre. Mon papa, c'est super important qu'il soit là parce que j'ai commencé le piano avec lui, il m'a suivi pendant tous les moments importants. Plus tard, je voudrais être concertiste parce que j'ai envie de partager de la musique avec des gens, j'ai envie de vivre de ma passion, et c'est ma passion, c'est de jouer en public, j'adore la scène. Ça me donnerait l'occasion de jouer avec orchestre, de voyager, de voir plein de grandes salles, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Je vais jouer le concerto de Tchaïkovski. C'est un morceau particulier parce que quand j'étais petit, il paraît que quand on mettait ce morceau dans la voiture, je posais mes jouets et puis j'écoutais. Ça fait 10 ans que j'ai commencé le piano et maintenant je vais le jouer avec orchestre dans une salle magnifique et retransmis à la télé en plus. C'est génial. Thank you.
Excellent, Ilan, excellent. Bravo, bravo à toi. Ça, c'est pour toi. Bravo, bravo. Je sais, bien évidemment, j'ai mes informations, que tu es très perfectionniste. Est-ce que tu es content de toi ? Oui. C'est vrai, dis-le plus fort. Je suis content. Ah, tu peux, bravo. C'est la première fois en plus. C'est la première fois qu'il interprète cet air. Je sais que quand tu l'as écouté petit, cet air, toi ? C'était le morceau que je voulais jouer depuis que j'étais tout petit. Et alors ? Bah, je suis vraiment super content de le jouer maintenant. Et c'est vraiment... Alors, vous savez, nous avons des partenaires pour cette soirée. Nous avons Télé 7 jours avec nous et France Bleu. Ils ont organisé un sondage. Je voulais te dire, Ilan, dans ce sondage, 55% des filles interrogées ont dit que l'instrument qu'elles préféraient, c'était le piano. Voilà, c'est juste une info pour toi. Là, je suis très jaloux. Alors, je ne sais pas si elles ont dit les pianistes, mais le piano. Très jaloux, parce que les violoncellistes, alors, c'était navrant. Voilà. Et aussi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, hein, écoutez bien ça, 77% des personnes interrogées ont déclaré vraiment qu'elles aimeraient que le chant soit enseigné à l'école. Bravo, ah, bravo! Bravo! Ah, bravo! Ah, extraordinaire! Parce que la flûte à bec, c'est terminé. Le chant à l'école, le... Non. Oui. Bon, ça suffit. Alors, Gauthier Capuçon, à vous la parole. Je trouve que tu as une grande fluidité dans ce que tu fais. Et bien évidemment, tu as une technique très impressionnante pour ton âge. Je trouve que jouer Tchaïkovski à 13 ans, c'est extraordinaire. Moi, j'ai rêvé de le jouer, mais... Merci beaucoup. On m'a dit que ton rêve, c'est de jouer au Carnegie Hall plus tard, c'est ça ? Oui. Bah écoute, en tout cas... Carnegie Hall, c'est vrai ? Bah oui, ou une autre grande salle, comme ça. Te voilà bien parti. Il aura modestement commencé devant 2000 personnes au Corum et quelques millions de spectateurs chez eux. C'est pas mal. Elisabeth, s'il vous plaît. Une chose qui m'a vraiment frappée et qui rejoint, je dirais, la technique du chant, c'est que... Il a un foyer émotionnel ici qui lui permet de gérer avec force. Il rentre dans les accords. Comme nous, on le ferait avec notre diaphragme pour rentrer dans un son. Tu as déjà cette puissance et le clavier t'appartient. Et ça, tu vas être un puissant pianiste. Merci beaucoup. Patrick Dupont. Je vais rejoindre mes illustres membres du jury. Ilan, je sens en toi une immense douceur. Est-ce que par hasard, tu as envie de mettre en avant plus la force de l'homme ou plus la douceur de l'âme ? Alors, ou les deux à la fois ? Eh bien, tu réponds à la question. Il faut essayer de marier les deux pour... Ouais. Mais c'est bien parce que chez toi, on sent ça très présent et c'est très, très agréable chez un artiste interprète d'avoir les deux extrêmes. Bonne route et on sait que ça va marcher pour toi. Ilan et moi vous remercions. Merci beaucoup. Bravo. Notre prochaine artiste aurait pu concourir en violoncelliste, en pianiste, car elle joue de ces deux instruments, mais c'est le violon qu'elle préfère, parce qu'elle voyage beaucoup et que c'est beaucoup plus pratique à transporter. Elle a 15 ans, faisons tout de suite sa connaissance. Je m'appelle Camille, j'ai 15 ans, je suis en deuxième année de bachelor à Genève, donc comme la licence en France. Et j'habite à côté d'Annecy. Je me rappelle que j'étais allée à un concert, je devais avoir peut-être 3 ans. J'avais vraiment flashé sur les violoncelles, donc j'ai demandé à mes parents de commencer le violoncelle. Et j'ai commencé le violon à 8 ans. Et à 9 ans, j'ai commencé le piano. La personne qui me soutient le plus, je pense que c'est ma grande sœur, parce qu'on est tout le temps ensemble et puis on joue très souvent ensemble et puis on est très complices et quand l'une a besoin de l'autre, on est toujours là pour l'autre. On se chamaille quand même de temps en temps, mais on s'entend très bien, je pense, en général quand même. Plus tard, mon rêve, c'est d'être soliste, violoniste et violoncelliste. Pouvoir y arriver, ça demande quand même pas mal de... Beaucoup de pratique et beaucoup d'ambition. Je pense qu'il faut vraiment être passionné et vraiment le vouloir pour y arriver. Sinon, je pense pas que c'est possible. C'est super de participer à Prodige. Ça me fait vraiment... Je suis vraiment très heureuse.
Je rencontre plein d'autres musiciens, danseurs et chanteurs et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est tous une grande passion, je pense, donc c'est vraiment un point commun qu'on a tous ensemble. Ce soir, je vais jouer le troisième mouvement de l'été de Vivaldi. J'adore ce morceau. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Et puis de pouvoir le jouer avec un orchestre, avec l'orchestre de Montpellier, c'est vraiment super. Et en plus, la salle est vraiment, vraiment super belle. C'est vraiment une expérience magique. Je pense qu'on aimerait tous gagner. Et puis moi aussi, ça me ferait plaisir de gagner. Mais après, j'espère jouer au meilleur de moi-même. Et puis on verra bien. Camille, félicitations Camille, félicitations. Regarde, tout le quorum se lève. Et le jury. Merci. Camille, c'est magnifique. Je pense que nos téléspectateurs ont vu un petit fil dépasser de ton archet. Alors, c'est pas parce qu'il y a un marionnettiste qui joue à ta place, mais tout simplement, tu as donné tellement de fougue sur ton violon que tu as cassé un brin. Voilà, un brin de ton archet. Marianne, un crin. Exactement. Alors, bon, Gauthier, vous vous êtes levé comme un diable. Alors, à vous, mais allez-y. Non, alors, moi, j'aimerais comprendre un truc quand même. Parce que, alors, tu fais du violon, tu fais du violoncelle, tu fais du piano. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que trois instruments, je trouve ça un petit peu limite. Hein. Bah, je préfère le violon et le violoncelle. Le piano, j'ai moins de temps. Mais mes deux instruments préférés, c'est le violon et le violoncelle. Est-ce que c'est la première fois que tu joues avec orchestre? En violon, oui. J'avais déjà joué en violoncelle, mais en violon, oui. Bravo. On sent que t'as une flexibilité avec eux qui est incroyable. Voilà, t'as réussi à faire ressortir toute la musique, mais en même temps, le caractère complètement rock'n'roll de cette pièce. Oui, c'est ça. Vous avez remarqué c'était un été torride, quoi. Est-ce que vous avez remarqué qu'Ariane Matiak, la chef d'orchestre, n'était pas là et que c'est Camille qui a dirigé... C'est elle qui a dirigé tous les archers. Alors... C'est ça. Elisabeth Vidal, qu'en pensez-vous? Il y a une chose, moi, qui m'a frappée, oui. C'est l'élasticité et son centre de gravité. C'est-à-dire, c'est ce qui lui a permis de diriger tout l'orchestre. C'est cette flexibilité physique qui lui permet, avec le corps, d'induire le mouvement, tout en restant souple au niveau du bras pour son instrument. Ça prouve la classe. Merci.
Ah, Patrick. Peut-être que ce sera ça le prodige des années 2015-2030. Une Camille qui joue du violon, du violoncelle, qui chante et qui fait la cuisine comme personne. Recording et qui fera des albums toute seule. Je reviens vers vous, Gauthier, parce que votre album Schubert Arpeggione avec le pianiste Franck Bralet est toujours disponible et on pourra vous retrouver le 6 février à Paris avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, les 12 et 14 mars à Lyon avec l'Orchestre National de Lyon. Voilà. Merci. Magnifique album aussi, Schubert Arpeggione. Eh oui, on reste dans le grand classicisme romantique. Alors Camille, notre prochaine concurrente n'a que 15 ans comme toi, mais avec elle, nous allons passer allègrement du 17e siècle de Vivaldi au 20e siècle de Gershwin. Plus de 300 ans, quel saut, Patrick Dupont, quel yes, saut. Un grand jeté de 300 ans. Tu viens avec moi Camille, merci. Merci à l'orchestre, merci. Je m'appelle Mathilde, j'ai 15 ans. Je suis en première TMD, c'est technique de la musique et de la danse. J'étudie à Montpellier en internat et sinon j'habite à Verbedarieux au Poujols-sur-Orbe. À part le piano, je fais aussi du tennis, je fais beaucoup de vélo et j'aime beaucoup aller à la piscine. Généralement, pendant les vacances d'été, j'y vais tous les jours. Du côté de mon père, tout le monde est musicien. Il écoutait beaucoup de musique classique dans la maison, donc forcément j'entendais, il mettait les CD, Mozart, Chopin, tout ça, et ça me plaisait bien. J'écoute du classique, forcément, et ensuite j'écoute des musiques de fête, ou enfin, avec mes amis, des fois de l'électro, ou alors des choses, Maître Gims, Adèle, tout ça. Je vais interpréter la Rhapsody in Blue de Gershwin. Ce morceau, il dégage vraiment de la joie, il est toujours énergique, enfin, j'aime beaucoup, donc après c'est un morceau qui me correspond vraiment. En général, j'essaie de m'inventer des histoires sur les mélodies, j'imagine des aventures, enfin, pour que je puisse ressentir le morceau, pour qu'à chaque phrase, je donne quelque chose, je raconte une histoire en fait, en jouant. Je veux me faire plaisir et je veux pour moi-même me dire que j'ai fait quelque chose de bien et ne rien regretter. Thank you.
belle soirée. Bravo. Bravo, Mathilde. Félicitations. Imaginez-vous la pression, c'est son premier concours. Tu as 15 ans, j'aimerais savoir ce que tu ressens. Je me sens très bien, c'est un grand plaisir de jouer ici, c'est super. Ça change de ma petite salle de chez moi et c'est avec bonheur que je participe à cette émission. Je vais te dire un truc, ça sent qu'il y a du plaisir. Moi, je voudrais saluer encore une fois votre concentration et je trouve ça assez incroyable. T'es là sur le plateau, tu attends, les musiciens se mettent en place. On sait tous à quel point c'est difficile de jouer 3 minutes comme ça. Paf, il y a les caméras, il faut être concentré. C'est l'exercice le plus difficile. Et toi, t'es là, tu souris, t'attendais, et puis tu commences. Et alors, ça swing, il y a de la musique, tu prends ton temps. Tu as pris le temps aussi de regarder le chef d'orchestre pour caler ton tempo. Vraiment incroyable. Ça, c'est super pro. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis scotché. Mathilde, attends, c'est hallucinant. Bon, moi, je viens du classique, j'adore le jazz. Parce que c'est une prolongation de ce qu'on apprend des gammes, du solfège, etc. J'aime beaucoup Gershwin. C'est, à mon avis, peut-être je me trompe, mais un des compositeurs les plus durs à interpréter. Pourquoi ? Il y a de la nuance. Nuance. Et tu as vécu ça avec une facilité. Tu nous as imposé des silences. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la musique ? Ouais, je suis le d'accord. Silence. Bien sûr. Et dans un jury, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Le silence aussi. Non. C'est l'émerveillement. Et là, Mathilde, moi, tu m'as émerveillée. Franchement, grande admiration. Bravo. Merci à notre jury. J'ai presque pas de mots, là. Bravo. Pour notre prochain prodige de 15 ans, la musique classique est une histoire de famille. Il est tombé dedans quand il était petit, mais ça ne l'empêche pas aussi d'être un fan d'Eminem. Regardez. Je m'appelle Léo, j'ai 15 ans, je suis en classe de seconde, j'habite à Paris et je joue du violoncelle. Mes parents, ils sont profs de musique tous les deux et moi j'écoutais, puis j'étais pas dans l'idée d'être violoncelliste à tout prix comme papa et maman. C'est quelque chose qui est venu comme ça quand j'ai évolué en fait. En fonction de mon évolution, j'ai remarqué que je prenais davantage de plaisir à jouer avec mon violoncelle et c'est quelque chose qui est dans moi, donc ouais, ça m'est venu au fil du temps. Pour l'instant, le violoncelle, c'est une discipline qui me tient et qui est avec moi tous les jours. Que pour l'instant, j'ai vraiment du mal à m'en passer et être avec mon violoncelle, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. J'aime beaucoup écouter du rap, notamment Eminem. C'est une personne qui n'est pas comme les autres quand il rappe, on sent son style de rap et c'est quelqu'un qui me plaît et qui m'impressionne. J'ai joué le trio de Schubert. Do mineur pour violoncelle, violon et piano. Et c'est de la musique de chambre, donc c'est un trio. Pour moi, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'il n'y a pas d'orchestre. On n'est que tous les trois et à tous les trois, on doit pouvoir vraiment être capable de donner vraiment de l'émotion. Je suis très content de participer à Prodige parce que moi, j'ai envie de transmettre la musique, l'émotion et c'est justement. Une émission qui permet de faire découvrir la musique classique, de faire aimer la musique classique aux gens, à tout type de gens, et c'est vraiment génial. J'ai jamais joué dans une salle aussi grande. Bon, j'espère que ça va donner quelque chose de bien.
Bravo Léo. J'aimerais aussi qu'on remercie, mais bien sûr, mesdames. Alors, il y a Galina Soum au piano. Merci, Galina. Et nous avons notre super soliste de l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon, Madame Dorota Anderszewska. Merci. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Alors, Gauthier Capuçon, ah, ça, dire, c'est on votre... On était un peu frustrés. On est frustrés, c'est ça. On a vraiment envie que ça s'arrête si vite. Parce que, alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est quand même... C'était un extrait. C'est une des œuvres de Schubert qui est les plus connues. Peut-être vous connaissez le thème. C'est le thème qui est utilisé dans le film Barry Lyndon. Voilà, c'est frustrant de s'arrêter si vite. Moi, je te félicite parce que je trouve que tu as réussi à... Encore une fois, avec tout le monde qu'il y a autour, à créer cet univers, à se recentrer sur la musique et à réussir à créer ce cadre d'intimité ici dans une grande salle, ce qui n'est pas toujours facile dans une grande salle de concert. Tu as fait la bonne couleur. On était dedans et on était partis pour un grand voyage. C'est ça qui est frustrant. C'était intime et tu as réussi à sortir ces couleurs du violoncelle qui, pour moi, correspondent tout à fait à ce début de trio. Et c'était très touchant. Bravo à toi. Merci, merci. Dites donc, excusez-moi à nos deux autres jurés, Elisabeth et Patrick, mais Gauthier, vous parlez si bien. Est-ce que vous seriez capable de nous faire un petit extrait de Camille Saint-Saëns ? Même pas cap. Ah non, vous venez ici. Léo, est-ce que tu connais le signe de Camille Saint-Saëns, la mort du cygne ? Ah mais moi je chante pas, hein. Je veux bien jouer, mais je veux pas chanter. Hein. Ti la 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 la. Ah, c'est votre épouse Gauthier qui vous apporte le violoncelle. Donc Gauthier Capuçon et Léo, tous les deux 15 ans. Merci Gauthier. Quel joli cadeau vous avez fait à tout le monde. Et à Léo, tu te rends compte la chance? Bah ouais, en fait, je réalise même pas en fait, parce que ça fait trop bizarre. Hein. J'y pense même pas en fait que c'est Gauthier juste là. Donc, c'est le plaisir de partager la musique. Ah ouais, absolument. C'est exactement ça. Après, regarde Elisabeth comme elle est émue. Après. On dira que la musique classique ne peut pas toucher tout le monde. Franchement, je ne sais pas quel public pourrait rester insensible à ça. Bravo. Merci. Non, mais au-delà,
Au-delà de ça, déjà, Gauthier, bon... Patrick, à vous, dites-nous alors. Respect, respect. Merci, respect, Gauthier. Respect, humilité, et franchement, ça va au-delà du merci. Léo, idem. Ouais. Et vos deux couleurs, enfin, ce soir, on est ici pour célébrer, c'est vrai, la musique classique, la danse classique, cette étiquette classique que, personnellement, je n'aime pas, mais au-delà de ça, je crois qu'avec ce qui vient de se passer maintenant, on a tous compris, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que quand le temps s'arrête comme ça, quand tout le monde partage ça en même temps, on ne peut dire qu'un mot, merci et encore. Merci Gauthier, je vous laisse reprendre votre... Merci infiniment Gauthier Capuçon. Cher jury, c'est un moment délicat pour vous, celui de désigner le finaliste de la catégorie instrument. Mais juste avant, pour vous permettre de délibérer en votre âme et conscience, revoyons nos 5 artistes à l'œuvre. Et soyez attentifs également à la maison, car après ces images, vous pourrez toujours jouer avec nous et tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros mise en jeu ce soir. Regardez. Maintenant, à vous de jouer pour tenter de remporter les 10 000 euros mis en jeu ce soir. Pour avoir une chance d'être tiré au sort, répondez correctement à la question suivante. De quel instrument Léo a-t-il joué ? 1. Du violoncelle. 2. De la harpe. Envoyez un ou deux par SMS au 7-21-21 ou appelez le 36-32. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Le gagnant des 10 000 euros sera tiré au sort en fin d'émission. Parmi toutes les bonnes réponses, bonne chance. Le jury a fait son choix et évidemment, c'est à Gauthier Capuçon, grand violoncelliste, qu'il revient à l'honneur de nous annoncer le nom du finaliste de la catégorie instrument. Gauthier, lequel de ces 5 artistes rejoindra Jules en finale et conservera un espoir d'être nommé prodige de l'année ? Ils ont été incroyables et encore une fois, je trouve qu'il faut saluer leur travail, se rendre compte de tout ce que ça représente, de l'investissement.
depuis le plus jeune âge. Et c'est incroyable, c'est une vraie performance ce soir. Et je pense que c'était le but de l'émission, de nous faire partager leur passion. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait à merveille. Alors, en revanche, ça a été très difficile pour nous de les départager parce qu'ils ont tous des qualités assez exceptionnelles, des qualités différentes. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de la musique et des artistes. C'est qu'on a tous des choses différentes à dire avec nos mots à nous. Et parfois, ça reste complètement subjectif. Alors là, on était quand même assez d'accord, mais presque, pas tout à fait, enfin presque. Alors, Gauthier Capuçon, le gagnant de la catégorie instrument de l'émission Prodige est ce soir... C'est Camille. Bravo Camille. Camille. Bravo, bravo Camille, bravo. Tu es notre prodige de la catégorie instrument et on saura tout à l'heure si tu es notre prodige de l'année. Quant aux quatre autres, bravo également d'être venus jusqu'à nous. Bravo pour votre talent, je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Et je vous dis aussi, toi, toi, toi. Il ne reste à présent qu'une place de finaliste à prendre, une place pour quatre danseurs incroyables. Voici l'ultime catégorie de notre concours, celle de la danse. Et je veux d'ores et déjà vous dire que chacun de nos prodiges sera accompagné par les danseurs du ballet du Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Regardez. L'ultime catégorie de la compétition prodige est la catégorie danse. Les quatre concurrents danseurs sont Simon, 15 ans, Ingrid, 12 ans, Lucas, 14 ans, Anaé, 15 ans. Le juré spécialiste de la catégorie danse est Patrick Dupont. Reconnu comme l'un des plus grands danseurs étoiles de tous les temps, il devient directeur de l'école de l'Opéra de Paris à tout juste 30 ans. C'est quelque part mon devoir de transmettre et de pousser vers le haut de jeunes artistes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, sans aucune discrimination. Les prodiges en devenir peuvent retirer énormément de choses de cette expérience. Au-delà de leur technique et au-delà du travail, j'attends de voir leur âme, parce que c'est ça qui m'intéresse. Toute cette expérience et peut-être tous les conseils qu'on va pouvoir leur donner risquent de leur servir tout au long de leur carrière. Le premier danseur à se produire sur scène est Simon. Je m'appelle Simon, j'ai 15 ans, je suis en première L et j'habite à Toulouse. Et ce que j'aime dans la danse, c'est un art complet. Si on a à la fois des acteurs parce qu'on doit interpréter des rôles, on est bien sûr des danseurs, mais aussi des musiciens. L'important, c'est d'essayer de faire ressentir quelque chose au public. Et déjà, si moi, j'arrive à ressentir quelque chose, c'est super bien. Mon rêve, ce serait de rentrer dans une grande compagnie à Londres, comme le Royal Ballet. C'est une des meilleures compagnies dans le monde. Ce serait un rêve qui se réalise, parce que pour moi, j'aurais atteint quelque chose d'assez phénoménal. Je me vois pas arrêter le lycée parce que pour moi, c'est important d'avoir son bac, rien que pour l'orgueil et par rapport aux autres. Je pense que je le vivrais mal de pas avoir mon bac. Donc moi, je vais danser sur Roméo et Juliette. C'est un rôle et une variation qui sont quand même très fortes et très puissantes, surtout la musique. Dès qu'on l'entend, on ressent l'énergie qui se dégage. Je vais essayer d'apporter, oui, cette énergie, cette force et aussi cette noblesse. J'ai pas forcément peur des autres, j'ai surtout peur de moi-même. Parce que si je fais quelque chose de pas bien, après c'est contre moi que je vais être déçu. Moi je préfère ne pas gagner, mais être content de moi, de ce que j'ai fait, plutôt que gagner et être déçu et d'avoir tout raté. Avant de monter sur scène, j'essaye de plus penser à rien, de respirer profondément et de me dire que j'ai de la chance d'être là et c'est le cas. Et j'y vais et ça va bien se passer.
Bravo, Simon. Simon a 15 ans. Je crois que ta maman est... Elle est parmi nous ? Où est-ce qu'elle est ? Que d'émotion, madame. Il est beau, hein ? Il a un coup de pied incroyable, hein ? Il y a quelque chose que tu fais avec la pointe de ton pied. Qu'est-ce que c'est, ça, Patrick Dupont, ce coup de pied ? C'est le travail de pointe, demi-pointe, talon, doigt de pied. C'est-à-dire, c'est comme un chat. Ça doit pouvoir décoller et atterrir. Et ça doit pouvoir avoir une souplesse du pied et une force du pied énorme. Hein. C'est que les jambes. D'ailleurs, le danseur est tout en force et en souplesse, et alors, en ressenti. Vous allez garder la parole, parce que nous sommes entièrement dans votre pays, là, c'est-à-dire oui, la danse. Qu'avez-vous pensé de Simon ? Alors, Simon, tu as un don physique évident, les pieds, les jambes, une souplesse, une force. Tu as une humilité face à la difficulté, parce que ce n'était pas facile ce que tu as dansé. Je pense franchement que tu es promis à une belle carrière, une très belle carrière. Voilà. Elisabeth Vidal, votre avis, c'est important. Le talent, évidemment, est évident, et toutes les capacités physiques et la propreté du geste. Voilà. C'est vrai que maintenant, on a envie de la sauvagerie. Dans cette musique, il y a... C'est Prokofiev, n'oublions pas, c'est Prokofiev. C'est la scène du bal de Roméo et Juliette. Tu peux, tu as le droit de mettre de la sauvagerie dans ta danse. Ouais. C'est permis, je te le permets. Gauthier. Je suis fasciné par ses jambes, je trouve ça... Ah, oui. Gauthier Capuçon est fasciné par les jambes de Simon. Je trouve ça très impressionnant. Je trouve qu'il y a une fluidité dans ses gestes qui est assez incroyable. Comme un chat. Dis-moi, Patrick, mais... Oui. Je trouve qu'il a un port de tête incroyable. Oui, il a un grand coup, il a une manière très noble. Simon est un danseur noble. Voilà, il a une manière très noble de se tenir. Et c'est très beau, cette noblesse. Et en même temps, il a ce charisme, donc, avec ce port de tête. Il a 15 ans. Quelque chose de très fort. Et en même temps, il y a une grande douceur. Voilà. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me plaît. Je pense pas me tromper, je suis sûr que dans ce qu'on appelle l'adagio, les parties lentes, tu prends ton pied, non ? Oui, ça, j'ai ça. Mais bon, comme je donne des surnoms à tout le monde, tu seras Simon la gambette, voilà. Simon la gambette. Simon la gambette. Est-ce que Simon la gambette sera le gagnant de cette catégorie ? Peut-être. Va-t-il être le prodige de l'année ? Peut-être. C'est au tour de la plus jeune de nos danseuses de se lancer. À 12 ans, elle pense danse, elle rêve danse, elle respire danse. On la regarde. Je m'appelle Ingrid, j'ai 2 ans, je suis en 4e et j'habite à Saint-Jean-de-Cordy. C'est un petit village à côté de Montpellier. Et le week-end, quand je vois mes copines, soit on va se baigner, soit on va en ville, des fois au cinéma, patinoire. Plus tard, je voudrais être danseuse étoile parce que la scène, j'aime bien ça. La danse est ma passion, donc c'est ça que je voudrais faire. Après, les danseuses sont souvent en tournée, ça me permettrait de voyager aussi. Je vais danser sur l'adagio de Mozart. C'est une chorégraphie difficile. Pour m'aider sur la chorégraphie, ma sœur elle m'a donné des corrections au niveau des bras, des pieds, des jambes. C'est cool qu'elle me donne des fois des conseils que je peux prendre en compte et corriger mes défauts. Quand j'étais petite, j'aimais bien la danse. Je lui piquais souvent ses tutus par les mettre et danser dans ma chambre. Et voilà. Je me sens moi-même quand je danse. Le plus important quand je danse, je me concentre sur la technique et l'artistique. Donc le sourire, la grâce, l'émotion. Mon objectif sur scène, c'est de donner le meilleur de moi-même avec l'artistique et la technique. Et puis prendre le plus de plaisir, de me sentir bien sur scène et voilà.
Excellent, Ingrid. Quelle joie sur son visage. Tu es tellement tout sourire. Je suis sûre que tu es contente de toi. Oui, ça va, oui. Ça va? Oui. Alors, je me tourne vers notre cher Patrick Dupont. Eh bien, écoute, Ingrid, j'adore ta fraîcheur. Malgré la grande difficulté de ce que tu viens d'interpréter, techniquement, ce que tu viens de faire, je tiens à le préciser, c'est très dur ce qu'elle vient de faire. C'est une variation très, très dure. Merci Patrick. Gauthier, vous semblez être sous le charme. Mais oui, parce qu'elle a une grâce incroyable, il y a une fraîcheur, il y a cette naïveté. En même temps, j'ai senti que tu étais peut-être un petit peu... tu avais peut-être un petit peu le trac au début. Et je ne sais pas, j'avais une image en te regardant, comme Bambi qui vient de naître et qui est toute belle, mais qui est encore un tout petit peu fragile. Elle essaye de courir et hop, tout d'un coup, on sent une patte qui fléchit, elle se relève et elle est belle et elle est gracieuse. Et voilà, je trouve que tu as tout. Bravo. Oui, Bambi. Elisabeth, vous êtes très sensible à la grâce. Hein. Ouais. Et cette fragilité, toi, tu peux en profiter aussi dans ton expression de visage. Il faut que tu l'assumes, cette fragilité. Ne plaque pas un sourire quand tu ne le ressens pas vraiment parce que tu penses que c'est mieux de sourire. Si tu as une difficulté, assume-la dans le visage aussi. Et nous, ça va nous toucher davantage. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais tu es ravissante. Merci, merci Elisabeth. Patrick, vous serez en tournée aux côtés d'une autre danseuse, Leïla Darrocha, pour votre nouveau spectacle Entre Deux. Voilà, alors il faut que je vous explique en deux mots. Ce spectacle s'appelle Entre Deux. Il raconte les couleurs de l'amour. Il raconte les états différents de l'amour et comment l'amour peut se manifester. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, Leïla et moi, que l'amour est la solution à beaucoup de choses. Bravo à vous. Bravo. Merci. Notre prochain prodige de 14 ans est très travailleur, il est très sensible et aussi, nous le savons ici, très stressé. Alors, je compte sur vous pour l'encourager à la seconde où vous le verrez. Mais tout d'abord, regardons son portrait. Je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans, je suis en troisième et j'habite à Nice. J'ai découvert la danse en accompagnant la filleule de ma mère à ses cours de danse et je la regardais à chaque fois et j'adorais ça. Et j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Depuis, je ne me suis jamais arrêtée. J'aimerais bien gagner prodige, mais après, le plus important, c'est d'avoir dansé sur scène avec un grand corps de ballet, des grands danseurs. Voilà, c'est pour le plaisir de danser sur scène. Ce soir, je vais danser sur Carmen, un opéra chanté et dansé que je ne connaissais pas avant de faire cette émission. Et je suis contente parce que c'est plutôt assez énergique, j'aime beaucoup et la musique est sympathique et un peu, enfin, toréador et quoi. Quand je serai sur scène, il y aura... mes parents qui m'accompagneront et ma sœur. Je sens que je suis entourée et soutenue. Et j'ai les larmes aux yeux. Sur scène, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais me faire plaisir avant. Et j'espère que je plairai au public.
Toréador, Toréador. Lucas, à 14 ans. Bon, je te laisse reprendre ton souffle. Quel toréador, Patrick? Oh. Oh. Lucas, tu as tout ce qu'il faut pour te lâcher, toi aussi. Tu as tout ce qu'il faut en ta possession, aujourd'hui, je te le dis, pour prendre du plaisir, pour t'éclater, pour faire la teuf sur scène, pour vivre ta musique, vivre ton histoire. Tu as le droit, je te le donne. Je pense que les raisons qui t'ont poussé à danser, c'est autre chose qu'échapper à un entrechassis arabesque, non? J'ai tort ou pas? Non, c'est juste pour le plaisir et la joie. Ça, se voit, ça, je le sais. Ça, je l'ai vu. Je l'ai compris, moi. Maintenant, pour que tout le monde le comprenne, vas-y. Souris, montre tes dents, montre ton appareil. Attends, il est beau. Il est beau, mais ouais, mais cool. Attends, moi aussi j'en ai un. Personne ne le sait, tout le monde le sait maintenant, voilà. Ça va, assume-toi. Tu as le droit. Tu es un beau danseur. Tu seras un beau danseur. Voilà ce que j'ai à te dire. Merci, merci beaucoup. Elisabeth. Bien sûr. C'est exactement dans la veine de ce que dit Patrick. Et c'est vrai que je pense qu'en te lâchant davantage, tu auras même avantage pour ta respiration, tu pourras te détendre. Parce que, par exemple, quand tu as un appui au sol, si vraiment tu en profites pour prendre une bonne inspiration du fond du ventre, tu vas récupérer, alors que là aussi, tu laisses un petit peu monter. Mais il faut dire aussi que cette chorégraphie qu'il a faite est toute en saut, avec très peu de moments de répit, on va dire. Ouais. Donc, pour ça, bravo, parce que c'est ce qu'on appelle du rebond. Bravo. Il a le rebond. Il a le rebond. Gauthier, alors, est-ce que vous avez du rebond? Hein, un petit peu de rebond. Non, mais moi j'ai été frappé parce que vous avez dit, Marianne, tout à l'heure qu'il était stressé. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé si stressé que ça. Je veux juste te poser la question. Ouais. Comment as-tu géré ton trac, ton fameux trac dont tu nous as parlé, si grand? Je ne sais pas, cette fois-ci, j'étais moins stressée parce que je ne voyais pas trop ça comme concours et plus en spectacle avec un corps de ballet, un orchestre. Mais tu sais, on a tous le trac. Vous connaissez, pardon, la réplique de Sacha Guitry. Il y a une comédienne qui lui disait, une jeune comédienne, « Maître, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais le trac. » Et le maître a répondu, « Ça viendra avec le talent. » Avec le talent, exactement. Voilà. Exactement. Mais tu sais, le trac, il faut l'apprivoiser. Donc, il faut réussir à transformer ce trac qui te servent justement à générer toute cette énergie qui va exploser en sentiments et que tu t'en serves pour transformer ça justement en énergie positive. Il faut le voir du bon côté. Mais moi, je n'ai pas senti ce trac-là. Tu peux aller encore plus loin, bien sûr. Moi, je pense qu'il l'a vraiment bien géré. Oh, super. En fait, c'est vrai que c'est plus un stress positif que négatif. Bien sûr, mais c'est important, exactement. Tu en as besoin. Et puis, comme c'est Carmen, tu te dis « Hola, torero, vamonos. Ah, hey. Vamos. On y va. » Merci. Bravo. Est-ce que Lucas sera le gagnant de cette catégorie danse de notre soirée? On le saura après le passage de notre ultime prodige. Vous allez découvrir une jeune danseuse tellement, tellement cette fois-ci timide. Elle est modeste, vraiment et sincèrement, mais tellement douée. Regardons. Je m'appelle Anaë. J'ai 15 ans, je suis en 3e et j'habite à Espalion, en Aveyron. À mon premier cours de danse, j'avais 6 ans. Ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. Quand je danse, j'oublie tout, je pense plus à rien. Mon plus grand rêve, c'est de devenir danseuse étoile. J'aimerais bien aller à l'Opéra de Paris. Je vais danser sur le lac des Cygnes. Ça me plaît vraiment, parce que c'est un très beau ballet. Pour préparer le lac des Cygnes, je me suis mise dans la peau du personnage. Je me suis fait une histoire qu'au début, je suis sur le lac et après, il y a un chasseur qui me blesse et on me tue et que je meurs. C'est le jour de mon anniversaire, j'espère que ça va me porter chance, mais on verra bien.
Anaë, regarde le quorum. C'est merveilleux. Anaë, c'est prodigieux. Notre jury, s'il vous plaît, Patrick. Anaë, on ne te l'a peut-être jamais dit, mais il y a tellement de choses en toi. Il y a tellement de choses, de belles choses en toi. Première pause, premier port de bras, premier regard, pas un effet, pas surjoué, une simplicité, une humilité, une vérité dans ta danse. Je n'aime que ça. Tu seras grande. Tu seras grande. Merci. J'aurais envie de te dire plein de choses et en même temps, je me dis que c'est presque inutile parce que tout est dit, tu as tout dit. Il y a un moment, c'est au-delà de la danse, de l'instrument, du chant. C'est au-delà. Tu es au-delà. N'en doute pas. Merci. Maintenant, nous pourrions changer, rajouter un sourire, nous pourrions remettre du soleil. Mais cette larme que tu viens de verser est tellement belle. Tellement belle. C'est une larme de bonheur. Et tu l'as en toi. N'en doute pas. Je voudrais t'encourager. Elisabeth, vous êtes tellement émue. Quand la perfection du geste, la manière de le finir, veut toujours dire quelque chose. Voilà, l'art est là. C'est beau. Et Gauthier, qui est complètement subjugué. Gauthier Capuçon. Bien évidemment, la danse n'est pas mon domaine. Mais on ressent les choses. Et là, tu m'as vraiment touché. J'ai eu tellement d'émotions. J'avais les larmes aux yeux. J'ai le cœur encore. Tu vois, j'ai du mal à parler. Et voilà, je pense que quand on arrive à transmettre ça, quel que soit son domaine, alors voilà, les portes sont ouvertes. Et je crois que tu es venu, d'après ce que j'ai compris, tu es venu aujourd'hui dans cette émission aussi pour gagner encore plus de confiance. Ben, je crois que tu as la réponse. Si, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, nous venons de découvrir 4 danseurs formidables, techniquement, artistiquement. Ils sont très, très proches. Lequel d'entre eux va aller en finale et rejoindre Jules et Camille ? Anaë, Lucas, Ingrid ou Simon, avant de répondre, petit retour sur leurs prestations que je vous conseille de regarder attentivement, car juste après, vous pourrez jouer avec nous pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 euros mise en jeu ce soir. Regardez. Thank you.
C'est maintenant votre dernière chance de jouer avec nous pour tenter de remporter les 10 000 euros mis en jeu ce soir. Pour faire partie du tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Sur quelle œuvre de Tchaïkovski Anaé a-t-elle dansé ? 1. Le lac des cygnes. 2. Casse-noisette. Envoyez un ou deux par SMS au 7-21-21 ou appelez le 36-32. Faites vite, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Le gagnant des 10 000 euros sera tiré au sort en fin d'émission parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance. Alors, Patrick Dupont, laquelle de ces quatre merveilles peut encore rêver de devenir le prodige de l'année ? Alors, avant tout, je voudrais vous dire qu'il y a en vous des graines de danseur étoile. Et bien au-delà de ça, il vous reste, et c'est merveilleux, tellement de choses à découvrir, tellement de choses à travailler, mais dans le plaisir, parce que c'est votre passion, et rien n'est plus beau qu'une passion partagée avec le public, avec ceux qu'on aime. Néanmoins, ce soir, quelqu'un nous a touchés tout particulièrement. Alors ? Et cette personne-là, c'est Anaé. Anaé, bravo ! Bravo Anaé, tu es la gagnante de la catégorie danse, tu es merveilleuse et dans quelques instants, nous saurons si tu es notre prodige de l'année puisque tu vas rejoindre Jules et Camille. Nous connaissons maintenant nos trois finalistes, seul l'un d'entre eux pourra prétendre au titre de prodige de l'année. Vous connaîtrez son nom dans quelques instants. Mais en attendant, et pour laisser le temps au jury de prendre une décision très importante, le ballet du Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg va nous interpréter un extrait du célèbre Boléro de Ravel.
bravo. Un grand bravo au ballet du Palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Merci à vous tous. Alors, la grande question de ce soir, lequel de nos trois finalistes, de Jules, de Camille ou Anaé, qui sera le prodige de l'année? Nous n'allons pas tarder à le savoir, mais juste avant, nous allons revoir un extrait de chacune de leurs prestations. Regardez bien, c'est parmi ces trois artistes-là que se cache notre grand vainqueur. D'ores et déjà retrouver toutes les œuvres interprétées ce soir dans l'album Prodige, disponible actuellement. L'instant est solennel. Je demande à nos finalistes de bien vouloir me rejoindre. Jules, Camille et Anaé. Je voudrais dire ce soir qu'ils vont avoir des mains du jury le trophée, bien évidemment, mais aussi vous annoncer que le gagnant ou la gagnante recevra une bourse d'études pour pouvoir continuer sa passion. Alors, je vais maintenant annoncer notre grand gagnant de ce soir. Le prodige de l'année 2014 est Camille. Venez, cher jury, remettre ce trophée à Camille. Bravo. Félicitations, c'est mérité. Bravo. J'invite tous les enfants à me rejoindre sur scène. Merci à tous, merci à notre jury, à nos 13 jeunes artistes si passionnés. Merci au public du Corum, merci à notre partenaire, le Crédit Mutuel, et un grand bravo à notre gagnant de 10 000 euros dont le nom s'affiche exactement en ce moment. Camille, voici ton trophée. Merci ma chérie. Bravo Camille, bravo, tu es le prodige de l'année 2014. Bonne fête de fin d'année à tous, très bonne fin de soirée sur France 2. Thank you.